Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète beaucoup de passagers, ce sont les turbulences. Et je vais vous parler d'un nouveau type de turbulences. Soyez les bienvenus à bord. Je sais que certains d'entre vous sont des passagers qui peuvent être un peu nerveux, et c'est pourquoi vous faites des recherches sur YouTube, et je vous remercie de me suivre. Et les turbulences, ça inquiète toujours beaucoup de monde. Et non, rassurez-vous, l'avion ne va pas se casser, les ailes ne vont pas se casser, ne vont pas tomber si vous passez à travers une turbulence. Mais il y a un type de turbulence qui était un peu moins courant et qu'on commence à trouver de plus en plus de nos jours. Alors c'est celui que je vais couvrir aujourd'hui. Si on se rencontre pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis maintenant plusieurs années. Et le but de ma chaîne, c'est de vous rassurer, de vous expliquer un petit peu le milieu du transport aérien, tuer certains des mythes qui peuvent exister et vous faire comprendre un petit peu comment fonctionne la vie des équipages, mais également comment voyager dans les meilleures conditions. Alors faites-moi plaisir, envoyez-moi l'ascenseur, vous avez juste à appuyer sur le bouton d'abonnement, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche, ça permet à la chaîne d'être un petit peu plus visible. Et ça va peut-être rassurer d'autres passagers qui ne connaissaient pas la chaîne et qui vont voir qu'il y a pas mal de conseils qui peuvent les aider. J'ai lu un article il y a 2 jours, mais je filme cette vidéo en avance, avec ça doit faire un peu plus d'un mois qu'il a été publié, et il traite des turbulences qu'on appelle en haute altitude ou ce qui est également appelé turbulences en ciel clair. Le terme en anglais c'est CAT, donc si vous faites une recherche sur Google, vous allez sûrement trouver des informations, mais la plupart seront en anglais. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ce type de turbulence s'est aggravé de plus en plus à la suite du réchauffement climatique. Selon une étude de Geographical Research Letters, publiée il y a quelques semaines, ces turbulences sont de plus en plus courantes. Et ça tombe justement, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo et faire un peu de recherche. L'un de mes collègues l'autre jour était dans un avion, il faisait le même vol que moi, mais il était à peu près 2 heures à l'avance. Et à la suite de turbulences, justement de ce type de turbulences, c'était en plein milieu du vol, donc c'était à plus de 40 000 pieds, et bien une turbulence qui était imprévue, et il a décollé et sa tête a touché le plafond du galet, de la cuisine. Et donc, comme ils avaient la Wi-Fi à bord, une fois que tout le monde s'est remis, ils m'ont envoyé un message disant « Hey Victor, je sais que tu me suis, tu es sur le vol suivant, faites attention parce que vous devriez avoir des turbulences qui ne sont pas prévues. » Alors évidemment, j'ai tout de suite contacté les pilotes qui avaient reçu le même genre de message de leurs collègues, mais on a fait une annonce aux passagers leur demandant de rester assis et attacher le plus longtemps possible. Et le problème, c'est que les passagers voient la consigne des ceintures allumées, mais ne sentent aucune turbulence. Ils disent « Ouais, le pilote a sûrement oublié de le désactiver. » Et malheureusement, le problème de ces turbulences-là, c'est qu'on ne peut pas les prévoir et donc elles arrivent à tout moment. Donc dès qu'on sait qu'il y a un risque, on va allumer la consigne des ceintures. Juste sur l'Amérique du Nord, il y a une augmentation de 55% de ce type de turbulence, vraiment de ce type-là particulier, entre 1979 et 2020. Alors je sais, on parle de 40 ans, mais 55%, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et il n'y a pas que l'Amérique du Nord, on les trouve aussi au-dessus de l'Europe, du Moyen-Orient, du Pacifique Sud-Est et de l'Atlantique Sud. Donc vous allez les trouver un petit peu partout sur la planète. Alors, je cite Paul Williams, qui faisait partie de l'étude, il dit « Après des décennies de recherches montrant que le changement climatique augmentera les turbulences en ciel clair, nous avons maintenant les preuves suggérant que l'augmentation a déjà commencé. » Un petit peu comme David Vincent qui vous disait que le cauchemar avait déjà commencé quand les envahisseurs arrivaient. Eh bien, c'est la même chose avec les turbulences en ciel clair. Alors je continue, il dit que les compagnies devront commencer à réfléchir à la manière dont elles vont gérer l'augmentation de ces turbulences. Parce que oui, ça coûte beaucoup d'argent aux compagnies, les turbulences. Je dis, l'avion ne va pas se briser, mais l'usure de l'avion va aller un peu plus vite, ça va s'aggraver. Imaginez un petit peu, vous avez une voiture et vous habitez au Québec, et tous les jours pour aller travailler, vous roulez au-dessus de plusieurs nids de poules. Votre voiture va amortir les chocs, c'est pour ça qu'il y a des amortisseurs, mais les amortisseurs vont s'user plus rapidement que si vous étiez dans une voiture sur une route complètement plate. Et donc, l'usure de l'avion va aller plus vite et donc l'avion va avoir une durée de vie qui va être plus courte. Et puis il n'y a pas que l'appareil en lui-même, l'extérieur, il y a aussi l'intérieur. À chaque fois qu'il y a des turbulences, eh bien il y a des gens qui vont avoir des choses qui vont s'envoler, qui vont retomber, qui vont abîmer, que ce soit le siège, que ce soit les parties de la cabine, de l'intérieur de la cabine, et donc tout ça va falloir les réparer. Et si on doit les réparer à l'arrivée, eh bien l'avion qui devait rester au sol peut-être pendant 1 heure va devoir aller dans le hangar, rester pendant plusieurs heures, donc on va avoir une annulation du vol suivant, on doit devoir changer le type d'appareil, et donc tout ça, ça a des coûts très importants pour les compagnies, des interruptions de voyage pour les passagers. Et puis je continue avec les coups, il y a aussi des passagers qui peuvent se blesser lors des turbulences, surtout s'ils n'étaient pas attachés, et aussi des membres d'équipage, comme mon collègue qui a touché le plafond. Et donc ça fait des employés qu'on doit retirer, qu'on doit mettre éventuellement sur l'assurance maladie le temps que tout soit réglé et qu'il soit soigné. Et donc tout ça, ça a des coûts qui sont très très importants. Donc les compagnies commencent à penser un petit peu à comment est-ce qu'elles peuvent gérer ce genre de situation. Le problème avec ce type de turbulence, c'est que les radars ne les détectent pas. Parce que les radars, en général, vont détecter les gouttelettes qui sont dans l'atmosphère. Mais comme là, il n'y a plus de nuages, on est en altitude très très haute, et bien, il n'y a pas de gouttelettes. Et ces turbulences sont un petit peu sournoises et apparaissent
un petit peu n'importe quand, on ne peut pas les détecter. Alors heureusement, comme je vous l'ai dit, les avions vont communiquer entre eux et vont se passer l'information. Mais des fois, si vous êtes le premier à faire cette route-là depuis plusieurs heures, vous ne savez pas à quel endroit elle est, vous ne savez même pas qu'elle existe. Alors je vais rentrer dans les détails techniques juste pour quelques secondes pour ceux d'entre vous que ça intéresse, mais ça ne va pas durer longtemps. Ce type de turbulence se forme en raison des différences de vitesse de vent à différentes hauteurs, appelées également les cisaillements du vent. Le cisaillement du vent lui-même augmente les bandes de vent rapides qu'on appelle également des courants jet. Les courants jet vont devenir de plus en plus chaotiques à mesure qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre. Et donc le réchauffement climatique va réchauffer la température à la surface de la Terre qu'on appelle la troposphère. Et donc comme en bas ça se réchauffe de plus en plus, il y a une grosse différence entre maintenant la troposphère et la stratosphère qui se trouve plus haut. Et c'est ce qui crée justement ce nouveau type de turbulence. Et c'est pourquoi elles sont en haute altitude seulement. Alors je dis, elles ont beaucoup augmenté depuis plusieurs années et la tendance va s'accélérer et elles vont augmenter de 9 à 14% dans les années à venir. Une autre chose importante à savoir, c'est qu'en été, en général, vous avez moins de turbulences qu'en hiver. Vous avez moins de précipitations, donc moins de nuages et donc en général moins de turbulences. Il y en a quand même, mais il y en a moins. Et donc, d'après les calculs, on prévoit qu'en 2050, en été 2050, on aura autant de turbulences qu'on avait en hiver 1950. Ça veut dire que les choses commencent à s'équilibrer de plus en plus, ce qui n'est pas très très bon. Alors les compagnies essaient de trouver des solutions pour justement régler le problème. L'une d'entre elles qui a été suggérée, c'était de voler plus haut. Et je vous dis, on est juste au début du problème maintenant. Mais on ne peut pas voler toujours plus haut, plus haut. On n'est pas des fusées, on n'est pas des navettes spatiales. On est dans un avion, donc on doit rester quand même une certaine distance de la surface de la Terre. Et puis voler plus haut, ça a des coûts supplémentaires. Parce que ça prend plus de carburant pour s'y rendre. Et puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que ces turbulences, on risque de les avoir, mais on ne les a pas toujours. Donc est-ce qu'on va prendre ce risque, est-ce qu'on va dépenser ces coûts-là, parce que ces coûts vont être répercutés sur le prix des billets. Je vous dis, on est juste au début de la discussion, donc c'est pas encore une solution qui est viable de voler forcément plus haut. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais on sait que la meilleure solution, c'est de réduire nos gaz à effet de serre. Alors en attendant, quelques conseils pour vous protéger du mieux possible. La première chose, c'est de garder votre ceinture attachée. Sur l'annonce de sécurité, on vous dit que vous devez avoir votre ceinture attachée pour le décollage et l'atterrissage. Ça, c'est les règles de l'aviation civile, mais on vous recommande, on vous dit pas que vous devez, mais on vous recommande de garder votre ceinture attachée en tout temps. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Alors, pas la peine de la serrer à fond et ne pas pouvoir respirer, mais vous pouvez laisser un petit peu d'espace, mais ne pas avoir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis, ça veut dire que si jamais il y a ce genre de turbulence complètement imprévue, vous allez décoller. Décoller, ça peut être un problème si vous touchez le plafond, mais si vous êtes assis, peut-être que vous aurez moins de chance. Mais c'est l'atterrissage. Vous pouvez vous atterrir sur l'accoudoir, vous pouvez vraiment vous blesser. Il y a plein de choses qui auraient pu s'envoler également. Et puis même si c'est pas vous qui décollez tant que ça, ça peut être aussi votre tablette, votre téléphone, tous ces projectiles qui peuvent retomber sur la tête de votre enfant qui est assis à côté de vous. Deuxième chose pour limiter les dégâts, c'est de limiter vos déplacements. Donc lorsque vous êtes assis, il est important de se déplacer de temps en temps en cabine. Je vous en ai parlé, on va éviter d'avoir les cailloux sanguins, donc le DVT. Donc il faut de temps en temps marcher en cabine, mais n'allez pas rester debout pendant une heure dans le galet, retournez à votre place. Déplacez-vous de manière régulière lorsque la consigne des ceintures est éteinte, mais pendant le reste du vol, retournez à votre place. Autre petit réflexe à avoir avant de détacher votre ceinture, avant de vous lever, regardez, levez les yeux et regardez si la consigne des ceintures est éteinte. Si elle est allumée, et restez assis. Même si vous ne sentez pas de turbulence, restez assis. Et j'ai vu qu'un nouveau système de divertissement a été mis en place sur je ne sais plus quelle compagnie cette semaine sur une vidéo. Et ce qui est bien, c'est que la consigne des ceintures reste allumée en tout temps sur l'écran. Fait qu'il n'y a même pas besoin de prendre l'effort de lever les yeux en haut pour regarder l'état de la consigne. Vous l'avez sur l'écran juste devant vous. Autre conseil, c'est d'aller aux toilettes dès que vous en avez envie. Si vous attendez que vous avez encore plus envie d'aller aux toilettes, c'est toujours comme ça que ça se passe. Au moment où vous êtes prêt à y aller, vous allez vous lever et la consigne des ceintures est allumée et vous allez naviguer entre les sièges et vous avez des risques de vous blesser. Et je vous rappelle, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les toilettes. Alors mon conseil, dès que vous avez envie d'aller aux toilettes, regardez si la consigne des ceintures est éteinte et si elle est éteinte, allez-y tout de suite. Vous irez une deuxième fois plus tard si la consigne est toujours éteinte, mais vous aurez l'opportunité de pouvoir vous retenir plus longtemps si jamais la consigne est allumée. Maintenant, on va parler des plus petits. Vos enfants, ils doivent être attachés. Je sais que ce n'est pas toujours évident sur un enfant de quelques années qui trouve ça drôle d'enlever la ceinture. Créez un autre centre de divertissement, faites diversion et parlez d'autre chose, mais mettez-la sous la couverture de manière à ce qu'ils ne la voient pas, mais toujours gardez la ceinture de votre enfant attachée. Vos enfants sont plus légers et donc ils vont pouvoir s'envoler encore plus facilement. Je vous rappelle que quelqu'un qui fait 100 kg et quelqu'un qui en fait seulement une trentaine, celui de 30 va avoir plus de légèreté pour s'envoler et toucher le plafond. Une autre chose que je vois très souvent arriver, ce sont des enfants qui jouent par terre. Alors je sais que c'est plus pratique, ils ont plus d'espace, ils vont être à quatre pattes, ils s'amusent. Ils peuvent se blesser sur le siège qui est juste au-dessus d'eux ou les accrochages du siège, les parties métalliques qui accrochent le siège au sol. Ils peuvent se blesser de tellement de manières. Et puis,
En même temps, là, ça n'a plus rien à voir avec les tubes lances, mais cette moquette par terre, elle n'est jamais nettoyée. On passe l'aspirateur est passé entre les vols, mais vous ne savez pas si la personne qui était assise avant avait des bottes qui étaient très crottées, donc on a enlevé la crotte, mais il y a peut-être encore des choses qui peuvent être dans le tapis. Est-ce que quelqu'un a été malade en avion? Ça arrive, aurait vomi éventuellement par terre, donc on va éventuellement mettre un push-push avec un produit chimique qui peut être un peu toxique, qui va tuer plein de choses, mais votre enfant va avec les mains par terre, puis après il va les lécher. Enfin, désolé de vous raconter ce film d'horreur, mais moi à chaque fois je suis horrifié quand je vois des enfants qui n'ont ni chaussures, qui vont aux toilettes et qui sont en train de jouer par terre. Ils peuvent se blesser en cas de turbulence et également, ils vont toucher des choses qui ne sont pas forcément très très bonnes. Et je vais terminer avec les plus petits, les bébés. Si vous avez ce qu'on appelle une bassinette, ou ce sont les berceaux, donc en général c'est sur la paroi au premier rang, vous avez plusieurs moyens de pouvoir accrocher votre enfant à l'intérieur. Certaines compagnies ont un système de harnais. Sur la mienne, on a juste un recouvrement en tissu avec trois boutons pression et on demande toujours aux parents d'avoir deux des trois boutons qui sont attachés. Le poids du bébé n'est pas très très élevé et en général ça devrait suffire. Donc la tête n'a pas besoin d'être cachée par la couverte, mais au moins on demande à ce que le reste du corps soit protégé. Et ça va protéger votre bébé. N'oubliez pas que s'il n'y a rien, eh bien, il va devenir un projectile. Je vous l'ai dit au départ, hein, je veux vraiment effrayer personne, mais ce genre de turbulence est de plus en plus courante et ça serait vraiment dommage de ruiner vos vacances ou votre voyage parce que vous êtes blessé lors d'une turbulence. Donc gardez votre ceinture attachée le plus possible. Si vous avez eu des expériences à bord d'un avion où vous avez vécu des très fortes turbulences, ça m'intéresse, donc écrivez-le dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur Instagram. Je vous rappelle mon compte, c'est Victor Voyage. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Salut.